Ouais, alors en direct, c'est Spadol, direct de la Corse là. Alors dès que j'ai embauché un nouveau gros bec. Alors certains de vous le connaissent, hein. C'est Gilou, mon ami et associé, donc avec le maillot de Château Gombert. Juste pour vous dire les gars qu'il va vous faire mal lui aussi, hein. J'ai atteint de l'initié peu là. Ça va faire mal, hein, je vous le dis. Hein. On va faire une petite interview. Bon, il y en a quelques-uns qui le connaissent. Hein. Sergio, Jaco, François, Albert, Gilou, alors le petit mot, poulet. Mal au cul. Mais le reste, ça va. C'est une horreur. Mais ça va, c'est agréable. C'est que du bonheur. Voilà, donc Gilou ADR, le cuissard qu'il a, alors, c'est les sprinteurs, hein, je vous le dis de suite. Hein. Donc devant il y a Jean-Paul, derrière il y a Lula. Il y a moi. Alors là on est sur du plat là, sur les hauteurs de l'île Rousse. Hein, on va aller une petite interview Jean-Paul. Loul, un petit mot à la caméra. Viens dire un petit mot à la caméra. Je ne suis pas dans mon domaine au plat, mais j'essaie de suivre. C'est difficile. Alors, qu'est-ce que tu penses de notre nouvelle recrue de Gilou? Ah, exceptionnel. Hein, place, hein? Il a un peu mal au cul, mais les jambes vont bien. Ouais. Ouais. Je vais essayer de le faire signer au club, là. Ouais, ouais. On va essayer de les rattraper là-bas. On va interviewer Jean-Paul. On est sur le plat, ça roule à plus de 30. Eh ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Ils sont difficiles. Surtout que Jean-Paul sur le plat est bombarde. Ouais. C'est mis qui tient une moyenne de 42-45. Alors Jean-Paul aussi, c'est un ancien grand cycliste des années 70, donc c'est le petit frère à Loul. Il a 3 ans de moins que Loul. Il a accéléré là-haut, l'ac. Un petit mot Jean-Paul pour canal MJC PDC. Attention, une voiture. C'est le meilleur tour que je connais. Ouais, je sais, là pour l'instant c'est tout plat. Vous allez dire que la Corse c'est plat, croyez-le. Mais là c'est vrai qu'on est sur le plat. Tout droit, tout droit. C'est juste quand je le filme, il bombarde, quoi. Ah, Jean-Paul, un petit mot. J'ai tout donné. Tu veux que je te dise un mot? C'est trop beau. C'est trop beau. Alors, allez-moi ce coup de pédale, là. Oui.
Je veux dire, tiens pas, on aura marre de filmer, j'en ai marre de vous attendre, on aura pas de pédaler de peu. Tu n'es pas venu pour rigoler. Oui, je vous l'ai dit, c'est pas un gros bec pour rien. Oh loup, là, tu es toujours le ramasse, c'est vous poulet. Ouais, ouais, j'arrive plus à suivre. Je suis un grimpeur, pas un rouleur de plat. Au club, ils m'ont dit que je suis un cycliste complet. Je suis mauvais à la descente, mauvais au plat. Et... Alors, un petit mot, je parle. Un petit mot. Là, ce soir, quand je vais rentrer, je vais laisser ma soeur de tranquille, j'en ai plein les. Voilà, très bon tour. Ouais. Le meilleur, c'est Gilles. Il a fait un super tour. Jamais comment ça. Bah, Gilles, c'est le gros bec. Tout à l'heure, il faisait le chaud. Là. Alors, qu'est-ce que, comment on est maintenant après... Moi, c'est le sport de Gonzas. Tranquille. Tu vois, de l'attention. Attends, voilà, qui m'attend de plus, je t'en mets pas. Bon, tu es pas de tamé quand même. Un peu, ouais. Il fallait pas un kilomètre de plus quand même. Mais fais-moi vous, parce qu'il s'est quand même fait 600 mètres de dénivelé, 60 bornes, 600 mètres de dénivelé, et c'est la troisième fois de sa vie qu'il fait du vélo. Rien. On sera prêt pour 2014. Ouais. Vous nous verrez au Tour de France. Lula, lui, bien entendu, discute comme d'habitude. Voilà, c'était l'Espadon en direct de Corbara, Fontaine de Corbara. Voilà. Le Gilou. Ah ouais. Voilà, avec l'habit des gros becs. Allez, bisous à tous, ciao ciao.